I've got uh, two questions for you and the first one is uh, just you've been hitting the post a lot you hit the crossbar and the post again tonight and then the, you were able to get uh, the goals and especially the goal from the run of play how big is it to not be hitting the crossbar that's my point. vous avez uh, touché le poteau et le cadre plusieurs fois cette saison encore ce soir comment vous sentez avoir d'avoir enfin marqué ce soir Je me sens très bien déjà d'une part euh, euh, physiquement. Voilà. si je touche les poteaux et, et les barres, c'est que je suis tout proche du but et euh, bah, juste après cette première mi-temps où je touche les, le poteau et la barre bah, viennent ces deux buts. donc je, je suis très heureux pour moi et je suis très heureux pour l'équipe. First off I feel really good physically right now So after hitting the cross, I know I'm really really close. Uh, so when I came in in the second half after hitting the cross and finally score, it just makes me happy for the whole team. Steve said that uh, this team is better when you think more and react less. Your thoughts, and, and that that may have played a role in tonight the way that the team played as a whole. Your thoughts. Steve dit que très souvent c'est mieux de réfléchir un petit peu plus et pas de réagir. Et il a dit que c'était ce qui s'était passé ce soir. Uh, votre impression la c'est vrai que là on a commencé le, le match euh, euh, tambour battant. voilà on voulait mettre ce premier but pour se mettre à l'abri et euh, c'est ce qu'on a fait et au final on a continué sans être dans la réaction donc on était plus euh, euh, sans, sans réfléchir à jouer donc euh, ça a été mieux ce soir we really wanted to start really, strong, uh, really strong and going, and going uh, so we can get that first goal in. And then we can, you know, be a bit more tranquil. Uh, but we just kept playing uh, almost without thinking after that first goal, so it felt really good. Uh, Denis Celso Oliveira with Data MLS, uh, wanted to know uh, your thoughts on the changes in personnel from LAFC from last year and this year, and how that impacted your game. Did you feel that in these first few games it was just hard because a lot of the people around you were different, and now you're starting to feel? et comprendre le positionnement, des gens comme like Atwesta. Je um, connais beaucoup de know, gens comme Bella people like Bella Comment ça se it maintenant que vous avez eu des games à jouer avec le nouveau personnel qui est arrivé Votre impression après tous les changements par rapport de joueurs hein, autour de vous par rapport à l'année dernière, apprendre à jouer avec des nouveaux partenaires, comment ça se passe Il nous fallait un temps d'adaptation. Voilà, euh, beaucoup de joueurs sont partis, je crois 11. Euh, il fallait un temps d'adaptation pour euh, LAFC. On a, on a eu quelques difficultés comme jouer sur la, sous la neige. Euh, après, ça allait de mieux en mieux. on est venu ici avec euh, beaucoup de détermination et maintenant on commence à, à se connaître, à avoir des automatismes. donc, euh, j'espère que ça va continuer comme ça et en tout cas on fait tout pour. yes, it took time to adjust. it's definitely an adaptation. Uh, and then we had a couple of difficult games, especially the ones under, under the snow. Uh, but definitely, we're getting there, uh, getting acquaintances. Uh, I think that like, there's a change of 11 players, you just said. So, yes, it just takes time, uh, but now it feels like it's getting there. Hey, Danny. So, you were the top goal scorer last year. How do you personally improve and what kind of milestones are you setting for yourself this year as kind of personal growth for the season? You were meilleur buter l'année dernière. Quels sont les objectives personnels que vous vous mettez cette année? J'ai toujours cette envie de faire euh, mieux que la saison dernière. Voilà, je sais que ça va être un peu plus difficile parce que on joue moins de compétition, mais voilà, je vais rester concentré sur le championnat et essayer de garder ce Golden Boot euh, chez moi tout simplement. I always want to do better que la saison season. So this year that's the objective to do better even though they they playing less competition. The objective is to bring back the Golden Boot. Hey, um, David Martinez gets his first assist of the season. What have you seen from him uh, just as a person, a player, all of that? Martinez a fait sa première passe décisive. Quelle est votre impression sur lui et sur ce qu'il peut apporter? Tout le monde pense que le premier match contre Kansas City, s'il si me l'avait mise, on aurait gagné. Certes. Mais tout venait pas d'ici. Tout venait pas de là. Voilà, C'est un très bon joueur. Un joueur en devenir et qui apprend au fur et à mesure. Voilà, je sais que je parle beaucoup avec lui, même si euh, je parle pas trop espagnol, mais il comprend vu que c'est similaire au français. Mais c'est un très bon joueur et beaucoup de personnes vont vont le voir euh, sur le euh, au fur et à mesure et vous verrez que voilà il va grâce à cette passe déjà notamment il va il va prendre confiance et il va essayer de, de marquer des buts et faire beaucoup de passes en tout cas il il va bien nous aider cette saison. did the assist it would have solved and have, we would have won the game uh, but uh, he's really an excellent player and he's very important we speak a lot together i don't speak that much spanish but bec because french and spanish are two languages that are pretty close so we talk a lot he's a great player and, he's, um, and i'm waiting for more of that happening hi danny

ça me motive vraiment voilà, d'aller vers le but et euh, tout simplement de, de se régaler sur le terrain. Voilà, on a des partenaires où, où tout le monde peut marquer, que ce soit Mati, que ce soit Tillmans, que ce soit. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer. Donc, euh, on essaye tout simplement d'être euh, offensif parce que LAFC est basé sur, sur l'offensive. Donc, euh, chaque match, on essaye d'avoir des buts, surtout à domicile, pour faire plaisir à tout le monde, faire plaisir à nos familles et aux fans. Donc. Euh, on essaye d'être attractif et voilà de de faire comme chaque saison aller en finale. It actually motivates me even more um, not to have scored for so long, uh, but there are so many good players around that can score, um, saying he's not the only one doing that. And the important is to take pleasure on the pitch, and that motivation is big. And then to please the family and to please the fans is another motivation.